OK, moi j'ai 32, donc je vais débuter si on veut avoir le temps de couvrir le sujet. OK, s'il vous plaît. OK, donc on va parler d'interface usagée graphique. Peut-être une petite note en débutant que sur le site du cours, j'ai publié, sur la page où il y a les notes de cours, j'ai publié une version corrigée de mon exemple raté. Évidemment, c'était prévu, là, c'était pour vous faire réfléchir. Mais évidemment, il y avait quelque chose de bête dans ma tentative. Il est évidemment impossible d'utiliser le tableau que je proposais pour avoir une implémentation de paire où les deux éléments d'une paire ne sont pas du même type. Donc, la façon de récupérer la chose, c'est d'avoir une paire où les deux éléments ont le même type, c'est X. À ce moment-là, on peut avoir une première implémentation de cette interface-là, qui est pair var, qui reçoit un S et qui le donne à l'interface. Une autre implémentation de cette interface-là, c'est pair array. Pair array implémente aussi l'interface pair, a un paramètre de type S. Tous les éléments sont de type S. Si vous allez sur le site web, vous allez voir, j'ai ajouté un petit gadget ici, une directive qui évite un message d'erreur qui serait généré, pas un message d'erreur, mais un message d'alerte qui serait généré par ceci. Puis finalement, on a ici, oups, là, mauvaise interface, on va quitter ça. Non, on ne veut pas sauvegarder. Et finalement, il y a un test. Donc, une classe test dans laquelle on utilise le type interface pair, on y sauvegarde un objet pair array ou un objet pair var. Donc, le code que j'ai publié sur le web compile, fonctionne, est fonctionnel. Je vous invite donc à y jeter un œil. Puis voir si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y en avait? Est-ce que ça vous semblait clair, l'idée? Le truc qui était vraiment important du dernier cours, c'était pair var. C'était vraiment celui-là sur lequel on a travaillé pas mal dans le cours, où on a débuté, on a dit c'était des entiers, les éléments de la paire. On a remplacé ça par... Je pense que c'était time ou integer. Puis on a fait différents changements. On en est arrivé à se dire,
ça serait vraiment utile s'il y avait une façon de dire le type des objets, c'est un paramètre. Il n'est pas connu au moment de la compilation. C'est le paramètre S. On a rajouté des décorations avec les plus petits, plus grands dans la déclaration de pairvar. Et c'est au moment de l'utilisation où on fournit une valeur de type pour S. Okay, donc, si ça vous semble bien clair, c'est la chose importante. Parce que vraiment, je vais avoir besoin de ça pour construire mes piles, mes fils, mes listes, mes arbres binaires de recherche. Ça vous va? Y a-t-il des questions sur le devoir? J'invite toujours à aller voir sur Piazza parce que j'ai entre autres publié un graphe. J'ai répondu à des questions précisément sur One Run, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'éléments d'information qui sont disponibles sur le site Piazza. Donc, aujourd'hui, on va parler d'interface usagée graphique. Ça, c'est tiré d'un devoir que des années passées. C'est un jeu où il faut, comme on le voit, sélectionner les billes, sélectionner une couleur. Toutes les billes adjacentes sont sélectionnées. On clique une nouvelle fois, elles disparaissent. Les billes du haut tombent et celles de gauche se déplacent vers la droite. C'est le genre de truc qu'on peut passer des heures à perdre son temps plutôt que travailler sur le devoir. Le but est évidemment de terminer avec zéro bille. Donc ça, c'est sur le site du cours. Vous pouvez le télécharger. J'ai même, pour ceux que ça intéresse, fait quelque chose qui est cliquable. On clique dessus, puis ça démarre. Puis à l'intérieur, il y a le code source. Donc c'est assez comme une application réelle. L'autre ici, Circle the Dot, c'est le devoir de l'an passé, le devoir 3 de l'an passé. Il y a une application sur le web, sur Google Play, qui est disponible. Elle n'est même pas aussi bonne que celle-là. C'est incroyable. Leur algorithme n'est pas aussi efficace. Nous, ici, on a vraiment résolu un problème du plus court chemin. Donc, la bille essaie de s'échapper de la surface. Puis là, je pense qu'elle va réussir. Puis là, quand on a fait ça, on a perdu. Donc, il faut être plus intelligent et réussir à faire en sorte que... Il est vraiment intelligent, oui, notre truc, c'est assez... Comme là, il va m'avoir encore. des heures de plaisir. Peut-être là, là. Non, il va m'avoir encore. OK, donc ça c'était le devoir. On ne va pas jouer quand même. Quoique, les trucs e-sports, c'est pas mal populaire. Hein? Il y a une compagnie qui nous a approchés pour qu'on crée sur le campus un club, une pièce e-sport. Les étudiants regardent d'autres étudiants jouer. Là. C'est une bonne idée? Est-ce qu'on ferait? Oui, on devrait faire ça. OK. Donc, aujourd'hui, on se parle d'interface usagée graphique. Ah oui, puis peut-être l'autre chose. Hier soir, Guy Vincent Jourdan et moi, on a complété l'idée pour le devoir 3 et 4, qui va être un jeu, une interface graphique. Le jeu s'appelle Flood It, si vous connaissez. C'est un peu la même idée. Il y a un coin, on change les couleurs, puis les couleurs se propagent. On sélectionne une autre couleur. Toutes les couleurs adjacentes de la même couleur deviennent sélectionnées, puis l'idée, c'est de compléter la grille. Évidemment qu'on a pensé à quelque chose de mieux que ce qui existe sur Google Play. Nous, on va jouer sur un tore, une surface infinie qui, dans les deux sens, on va pouvoir avoir un point de départ aléatoire. Dans la deuxième version, il va y avoir des undo, il va y avoir des sauvegarder l'état du jeu. C'est super le fun, vous allez voir. Vous retournez à la maison après, puis... Regarde, j'ai fait ça, ça marche, c'est moi, c'est beau, c'est super satisfaisant. Je sais que l'an passé, avec Circle the Dot, il y avait un étudiant, je pense qu'il était du Liban, puis là, tout le monde au Liban jouait au jeu, à son jeu, c'était super cool. Donc, c'est le fun,
un peu les interfaces graphiques. OK. Donc là, ça va prendre vraiment de l'enthousiasme là, pour que ce ne soit pas trop endormant. Les interfaces graphiques, c'est un sujet assez vaste. Nous, on va utiliser quelque chose qui s'appelle Swing. Ça, c'est la documentation de Swing. OK, donc, dans les prochains 80 minutes, on ne va pas passer à travers chacune des pages de la documentation de Swing. Ce serait hautement endormant si je vous disais la classe Scrollbar a un paramètre qui fait ça. C'est vraiment pas drôle. Il faut avoir une application. On fait du magasinage. On va voir. Je veux mettre un scrollbar en bon français. On trouve la classe scrollbar, puis on regarde comment elle fonctionne. On l'ajoute. Je veux un bouton. On va voir la classe jbutton. On l'ajoute. C'est vraiment pas. Il n'y a aucun point à passer en avant. Là, 80 minutes à discuter de ça. Donc, on va parler du rendu graphique. Ça va être bref. On va parler des gestionnaires de placement d'objets, un petit peu plus le fun, bref. Le gros ou l'essentiel de la programmation des interfaces usagées, c'est la programmation événementielle. Ça, c'est super le fun comme idée. C'est le fun parce que présentement, le flow de contrôle de vos applications, il est prédéfini. Java appelle main. Main crée un objet birthday paradox. Appelle la méthode onerun. Le flow, vous le voyez dans le texte. Le flow est le même à chaque exécution. Vous démarrez l'application, elle appelle une méthode et voilà. En programmation événementielle, l'application réagit aux événements, c'est-à-dire réagit aux commandes de l'usager. L'application, comme dans le jeu tout à l'heure, l'application est là, elle attend. Puis tant que je clique sur rien, il ne se passe rien. Je clique sur le bouton reset, oups, on fait un reset. Je clique sur un bouton select, ah, il y a un appel à une certaine méthode. Le flow dépend des commandes ou des instructions, des actions de l'usager. C'est là-dessus qu'on va passer plus de temps. Si on a un petit peu de temps, on passera à un sujet qui s'appelle Model View Controller, qui est une façon élégante de structurer une application graphique. OK, fait qu'à tout moment, si vous avez des questions, vous posez la main. Donc, juste pour rendre les choses un peu plus claires, historiquement, quand Java a été publié pour la première fois, les interfaces graphiques étaient faites avec quelque chose qui s'appelle AWT, Abstract Window Toolkit. C'était primitif, c'était pas aussi puissant qu'on voudrait. Est arrivé Swing plus tard. Swing, c'est ce qu'on va utiliser. Swing est plus moderne, plus puissant, plus cosmétique, c'est ce qu'on va utiliser. Puis, depuis peu, il y a quelque chose qui s'appelle JavaFX, qui est là avec depuis Java 1.7. C'est un peu trop nouveau, c'est un peu trop avancé, on ne va pas en parler ici. Honnêtement, je ne suis pas encore programmé en JavaFX, fait que c'est une bonne idée qu'on n'en parle pas. Je vous ai déjà dit qu'il y avait quand même des éléments qui me déplaisent des interfaces graphiques. D'une part, il y a l'idée que si vous programmez sur iOS, ça va être différent. Vous programmez sur Windows, je ne sais pas pourquoi, mais vous programmez sur Windows, ça va être différent. Vous allez sur Linux, ça va être différent. Donc, il y a cette idée-là que les concepts changent un peu. Donc, ça, c'est un peu dommage. Puis, je ne parle pas en Java, là. Je vous parle si on fait des applications natives en C, C++, Objective-C, etc.
Ce que j'aime, par contre, des interfaces graphiques, c'est que ça nous donne l'occasion de voir en action des notions d'héritage. Donc, les interfaces graphiques prennent plein avantage de l'héritage. Donc, les classes qu'on utilise pour composer une interface graphique sont organisées de façon hiérarchique. Donc, on a un parent ici qui est JComponent, qui va définir le comportement qui est commun à tous les éléments graphiques. Tous les éléments graphiques ont un X, Y, c'est là. On peut les placer sur une surface 2D. Ensuite, il y a des spécialisations des composants graphiques. Il y en a un qui c'est une étiquette. Il y en a un qui c'est une liste de choix. Liste de choix, c'est ce qu'on a ici. Ça, c'est un JList. JPanel, on va en parler, ça va être une façon de regrouper des composants graphiques en une unité qu'on va pouvoir ensuite ajouter à un autre composant graphique pour avoir une interface complexe. Les composants qui servent à sauvegarder du texte, il y en a plusieurs. Fait que là, encore une fois, l'idée d'héritage revient. Tout ce qui est texte est une sous-classe de JTextComponent. JTextComponent va déclarer une méthode getText. On sait donc que toutes les sous-classes ont une méthode getText. Donc, il y a vraiment beaucoup d'utilisation d'héritage dans ça. OK, puis ça, c'est évidemment un sous-ensemble de ce qui existe. Donc, il y a des choses comme dans la classe tout en haut, component, on a défini le getX, getY, une méthode setBackgroundColor. Donc, ça donne beaucoup d'uniformité. Ça fait en sorte que la méthode pour changer la couleur du fond, bien, c'est tout le temps la même, il y en a une seule, elle est définie tout en haut, puis tous les composants graphiques héritent de cette méthode-là. Donc, c'est très, très logique d'utiliser l'héritage dans ce contexte-ci. OK. Là, je vais vraiment vous épater. Là, on va faire un exemple d'interface graphique. Vous n'allez pas en revenir. Ça va vraiment être spectaculaire. Je vais prendre mon crayon. Donc, il faut avoir accès au nom. Donc, ici, je veux utiliser un JFrame, qui est une fenêtre. Bien, JFrame, c'est une classe qui habite dans le package Swing, qui habite dans le package JavaFX. Donc, pour accéder au nom de façon conviviale, je fais un import au début de mon texte. Puis là, ça me dit, OK, dans le texte de mon programme, je peux parler de JFrame sans avoir à donner son nom complet JavaX Swing JFrame. Donc ici, j'ai une classe que j'ai appelée Hello, c'est mon Hello World. J'ai une méthode principale. J'ai déclaré une référence de type JFrame. Je me crée un objet JFrame. Je lui ai passé à son constructeur une chaîne, parce que c'est ce que le constructeur s'attend à voir. J'ai appelé sa méthode setSize, puis je lui ai donné les dimensions 200 par 300. Puis je lui ai dit « affiche-toi ». Attention, c'est là que ça arrive. J'ai une fenêtre. Mais là, vous êtes supposé être super impressionné, là. J'ai travaillé fort. J'ai une fenêtre. C'est un JFrame. Et dans la petite barre de titre, il y a un « Hello World ». Bravo, Marcel. Si vous utilisez Docteur Java, j'ai souvent dit qu'une chose que j'adore de Docteur Java, c'est la fenêtre d'interaction. Je vous montre ça. Voici Docteur Java. Puis, la première
Le premier onglet ici en bas, c'est Interaction. Je l'aime parce que je peux taper des commandes puis voir le résultat. Donc, je suis en train d'expérimenter avec quelque chose. Je ne veux pas créer une classe, la compiler, regarder le résultat. Je peux jouer dans la fenêtre d'interaction. Donc, ici, je peux dire Import. On peut peut-être le faire, tiens, tant qu'à être là pour que je vous démontre l'idée. Ça va ici. OK. Console. Pas sur pantoute, je voulais. Un terminal. OK. Docteur Java. OK. Petit bug. Il n'était pas à bonne grandeur. OK. Donc, je m'en vais dans la fenêtre d'interaction, puis Import Java X swing. J'ai pas fait le point. Java X point swing. Wow, ça va être long. Swing. JFrame. Comme ça. Là, je peux faire JFrame. F. Je le déclare tout simplement. F est égal à new. JFrame, je l'appelle ITI 1521. J'ai créé l'objet, il ne se passe rien, il n'est pas visible encore. F, j'appelle sa méthode setSize. On va lui donner des dimensions, je ne sais pas, 400, oh, 4000, ah ben, ouais, peut-être 400 par 800. Il apparaît toujours pas. Set visible true. Devrait être. Il n'est pas là, là? Ah oui, il est là. Il est apparu. Des heures de plaisir, comme je vous disais. Attendez un peu. On va rapetisser ça pour que on voit les deux. En même temps, ça c'est ma fenêtre. Alors là, on l'a, on peut jouer avec. On va plutôt la mettre 400 par 400. Ah, c'est plus la taille que je voulais. Elle n'est pas tout à fait assez large. On va mettre 500 par 500. Ah, elle est un petit peu plus grosse. Donc, j'aime l'idée ici que j'ai un objet puis j'interagis live avec. Là, je peux jouer avec. C'est super le fun. Set visible. False. Il existe encore. Il n'est plus là. True. Puis là, on joue comme ça là, pendant des heures. Affiche-toi. Apparaît. Disparaît. Apparaît. Disparaît. OK? Donc, c'est super le fun. Des heures de plaisir. Mais on va parler d'autre chose. Donc, Docteur Java est le fun pour moi pour ces choses-là. On peut expérimenter. La façon que je vous ai montré de programmer mon petit Hello World, c'est pas vraiment la façon qu'on programme quand on fait des interfaces graphiques. Quand on développe des applications graphiques, je vous ai montré au début, il y a une hiérarchie de classes. On utilise la même métaphore, puis on donne dans cette métaphore-là, on va spécialiser des classes existantes. Donc là, la façon de faire vraiment, c'est de dire, plutôt que de créer un JFrame, puis de l'extérieur, de lui ajouter des choses, on va dire, je vais m'en créer un frame à moi. Ça va être une spécialisation de JFrame, tel que dans son constructeur, je vais mettre exactement la dimension que je voulais, puis je vais l'afficher. Donc, j'ai maintenant spécialisé la classe JFrame qui existait. Ça devient mon JFrame. Puis quand je crée mon objet JFrame, il est de la taille voulue, puis éventuellement, on va ajouter des choses dedans.
Ça vous va? Donc, la façon qu'on utiliserait cette chose-là, c'est dans un petit programme, j'ai l'habitude de les appeler « run », un truc qui va lancer cette application-là. Dans ma méthode principale, je crée un objet « JFrame », un objet « MyFrame » qui est un objet d'une sous-classe de « JFrame ». Quand je fais ça, vous êtes prêts, là, je vous avertis, ça va être un choc. C'est la même affaire. C'est aussi excitant. Palpitant. Donc, évidemment, on va vouloir maintenant composer le rendu visuel. On veut ajouter des éléments à notre application graphique. Donc, on va simplement en ajouter quelques-uns pour se donner une idée de comment ça marche. Mais vraiment, pour ce qui est d'explorer davantage, c'est qu'il faut consulter la documentation. Alors, il y a un élément ici qui est intéressant, à mon sens. MyFrame est une sous-classe de JFrame. JFrame, étant un container, a hérité d'une méthode add. Puis me l'a passé. Donc, moi, en tant que MyFrame, j'ai une méthode add, puis je peux l'utiliser pour ajouter une étiquette. Ça donne ça. Ça vous va-tu pour la partie rendu visuel? Okay, c'est vraiment aussi bête que ça, là. Vous voulez un bouton, il y a un truc qui s'appelle J-Button. Vous voulez un texte, c'est un J-Label, un J-Text, un J-Text Area. C'est assez évident et simple. Il suffit de balayer la documentation de Swing sur le site de Oracle et on trouve tout ce qu'on cherche. Là où il faut discuter un peu, c'est au niveau du placement des objets. Parce qu'évidemment, on va vouloir créer des choses plus complexes. Donc, il faut qu'il y ait un mécanisme qui nous permette de disposer à l'écran les objets graphiques. Ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est que ça fait appel à la notion d'interface. Il y a une interface qui s'appelle Layout Manager, qui est gestionnaire de placement d'objets, qui existe. Puis, la librairie Java nous fournit une vingtaine d'implémentations différentes. Donc, ce sont tous des implémentations de Layout Manager. C'est toutes des gestionnaires de placement, mais ils ont des propriétés différentes. Ils placent les objets de façon différente. Il y en a un qui s'appelle Flow Layout, qui va déposer les objets l'un à la suite de l'autre. Quand on arrive au bout de la ligne, il va recommencer sur une nouvelle ligne. Donc, ce qu'il fait, en fait, on en met un, il le met au milieu. On en met deux, il déplace celui-là un peu, puis les deux sont centrés. On en met un troisième, tout bouge, il y en a trois centrés. On a complété une ligne, il recommence sur la deuxième ligne au centre, on en ajoute un. Puis, l'idée principale, parce que peut-être vous vous dites, mais pourquoi je ne lui dis pas précisément, mets ce bouton-là à la position 283 pixels et 142 pixels en Y. Pourquoi je ne fais pas ça? Ah oui. Oui, ça pourrait être assez, si tu dis « Hey, c'est pas super beau », puis là, tu veux tout bouger, ça va être beaucoup de travail. Mais l'autre idée qui est assez puissante ici, c'est que le gestionnaire, il fait ça de façon dynamique. C'est-à-dire, vous agrandissez l'écran, vous rapetissez, boum, il replace tout. Fait que c'est vraiment dynamique, votre application, vous pouvez redimensionner l'écran. Il y en a un qui s'appelle « Border Layout », qui divise l'écran en zone. Pas sûr si je l'ai eu correctement, mais il y a
l'ouest, l'est, le nord, le sud, puis le centre. Donc, il a divisé l'écran en 5 zones. Il y en a un qui est une grille, bien, je pense que c'est assez évident. Ça divise le contenant sous forme de grille. Par défaut, JFrame, son gestionnaire, c'est Border Layout. Donc, quand j'ajoute des éléments, ici, des éléments texte, je peux les positionner comme ça, là où je veux. Donc, ici, j'ai fait la chose assez évidente. J'ai mis nord au nord, puis sud au sud. Et on obtient... Impressionnant, hein? On ne s'attendait pas à ça, hein? Oui. Si on veut se centrer après, à ce moment-là, il faudrait ajouter dans la portion un gestionnaire puis lui dire, toi, tu es un gestionnaire Flow Layout qui met dans le centre. On va voir dans une minute comment on peut composer ces choses-là. Si on veut changer le gestionnaire, la classe JFrame a hérité d'une méthode qui s'appelle SetLayout. Moi, puisque je suis un JFrame, j'ai aussi une méthode SetLayout. Je lui passe la référence d'un objet qui est un gestionnaire de placement d'objets. Quelle est la valeur du paramètre SetLayout? Quel est le type du paramètre SetLayout? Layout Manager. Ce que j'ai mentionné il y a trois slides. Donc, le paramètre, c'est le nom de l'interface Layout Manager. Une classe qui réalise l'interface Layout Manager, c'est Flow Layout. Une autre, c'est Border Layout, Grid Layout. Je peux toutes les passer en paramètre à la méthode SetLayout parce que le paramètre est de type Layout Manager et tous ces objets-là dont on vient de parler réalisent l'interface. Si on exécute ça, bien, on obtient ça. Ce qui est pas mal ce que je vous avais décrit. Flow Layout rempli ligne par ligne puis place les éléments d'abord au centre. Ça vous va? OK. Donc on a vu... Il y a une hiérarchie d'objets, il y a des gestionnaires pour placer les objets, puis là, il y avait une question, comment est-ce qu'on compose un rendu visuel plus complexe, plus intéressant? En général, on va utiliser des objets de la classe JPanel. JPanel, ça va être un contenant dans lequel on va pouvoir insérer d'autres objets graphiques. Et JPanel, on va pouvoir l'insérer maintenant dans un autre contenant. Par exemple, dans la partie centrale d'un objet JFrame. OK, donc là, je fais le tour de la maison. J'avais besoin de trucs qui se retrouvaient dans AWT. J'ai eu donc java.awt, Abstract Window Toolkit. J'ai mis l'étoile comme ça. J'ai pris tous les noms qui se trouvaient là. J'avais besoin d'objets qui se trouvent dans Swing. J'ai pris tous les noms qui étaient là. J'ai encore utilisé l'idée d'héritage. Donc, je suis encore en train de créer une spécialisation d'un JFrame. Je reçois le constructeur, parce qu'on est tout ce temps-là, on était dans le constructeur. Je reçois une chaîne, je la passe au constructeur de JFrame. J'ai décidé ici que j'allais utiliser Border Layout pour le gestionnaire de ma fenêtre. J'ai ajouté au nord une étiquette, j'ai ajouté à l'est une étiquette, ouest et au centre. Puis maintenant, là où il faut porter attention, c'est ici. J'ai déclaré P de type JPanel, je me suis créé un objet JPanel
Donc, c'est vraiment, c'est un contenant, là. Je peux mettre des choses dedans. J'ai ajouté à l'objet JPanel créé des étiquettes. Avant ça, ce que je viens d'oublier de vous dire, c'est que pour l'objet panel, celui désigné par P, j'ai choisi Flow Layout comme étant son gestionnaire à lui. Je lui ai ajouté ces objets-là. Puis ensuite, j'ai ajouté la référence de P à mon objet MyFrame. Donc, j'ai utilisé la méthode add. J'ai ajouté à cet objet MyFrame l'objet désigné par P, qui est mon panel, et je l'ai ajouté en position sud. OK, donc c'est important ici, il y a des choses qui doivent capter votre attention. Là, il y a plusieurs appels add. Il y a add sans rien devant, c'est donc ma méthode add. J'ai ajouté, moi je suis un objet JFrame, une sous-classe, une spécialisation de JFrame. J'ajoute dans cet objet JFrame des choses. Ici, on avait plutôt l'idée que P est une référence de type JPanel. On a créé un objet JPanel et c'est à l'objet JPanel qu'on a ajouté toutes ces étiquettes-là. Éventuellement, on a pris l'objet désigné par P puis on l'a ajouté à la fenêtre. Oui? Pardon? Quelqu'un a bougé sa chaise au moment où tu as parlé. Lequel? Devant ici, pourquoi il n'y a pas de P? Parce que, bien, premièrement, P n'était pas encore déclaré, donc... Pardon? C'est immense comme différence. Donc, c'est ce que je venais d'expliquer. MyFrame est une sous-classe de JFrame. J'ai hérité d'une méthode add. On est dans le constructeur. Donc, je suis dans le constructeur de MyFrame, sous-classe de JFrame. J'appelle ma méthode add. Je suis le truc graphique, là. J'ajoute dans cet objet JFrame les éléments. Dans l'autre cas, j'ai créé un objet JPanel. C'est un autre objet. Il est là. J'ai ajouté à cet objet graphique-là des étiquettes. Une fois que j'ai terminé mon travail, j'ai ajouté cet objet-là en bas ici à l'objet MyFrame. OK, donc, si on regarde ça ici à l'extérieur, c'est l'objet MyFrame, qui est une sous-classe de JFrame. Ça, c'est ce qu'on a ici. En bas, j'avais créé un objet de la classe JPanel. J'ai ajouté ces étiquettes-là, puis quand j'ai fini, boum, j'ai ajouté la référence P dans la partie sud de l'objet JFrame. L'autre aspect qui est intéressant avec les interfaces graphiques, c'est comment ça nous fait comprendre, on n'a pas le choix, les objets. Il y a un objet JPanel, il y a un objet JFrame, on a ajouté la référence de l'un à l'autre, il y a des associations entre les classes. Oui? On aurait remplacé. Attends, ça s'appelle. La méthode s'appelle add. Oui. Ouais. S'il y avait eu deux fois, si on avait mis deux trucs dans sud, il faudrait vérifier. Normalement, Java est très consistant dans le sens où. Attends un peu, comment je peux.
voudrais pas retaper tout ça. Ça fait beaucoup de choses à taper. On va le ramener visible. On va le faire apparaître. Ça, c'est un JFrame, donc je devrais être capable de faire f.add new jlabel. Ah, mais là, il va me dire qu'il ne sait pas c'est quoi. OK. Oh. Je pensais que vous voyiez ce que je faisais. Faut me le dire. Alors, import Java, import JavaX, swing. On va importer tout le monde, comme ça, j'aurai plus de problème. F.add new jlabel. Oh, pourquoi ça n'a pas marché? Ah, OK. Fallait que je dise où? Oh, border layout. Ah, c'est ça qui est difficile. Si on joue trop live, ça peut prendre du temps. Import java.awt.étoile f add border layout south. Est-ce que ça marche? Je pense que oui. Pourquoi j'ai pas le résultat que je veux? OK, donc il fallait que je fasse un petit rafraîchissement. Puis là, ce que tu me demandes, c'est qu'est-ce qui arrive si j'ajoute un autre objet? Est-ce qu'il remplace ou s'il y en a deux? OK, 15-21, on l'ajoute. On va effacer. On va ramener. Ils sont tous les deux là. Je voulais vérifier avant parce que je voulais m'assurer que ce que je disais, ce n'était pas une bêtise. Normalement, Java est très consistant. Si ça dit « add », ça veut dire que tu peux en mettre plusieurs. Si ça dit « set », ça dit « il y en a juste un » puis tu peux le remplacer. Donc, partout dans Java, quand on voit « add », ça suggère, ah, je peux ajouter plusieurs machins, ils vont tous contribuer. Si ça dit 7, il y en a un seul, puis on le remplace. C'est bon? Okidouk. OK. OK. Donc, il y a des composantes graphiques. On spécialise les composantes graphiques. Il y a des gestionnaires de placement pour que les choses se placent à l'écran comme on veut. Il y a des objets JPanel pour créer des groupements. Et l'aspect qui est vraiment drôlement plus intéressant de la programmation d'interface graphique, c'est l'idée de programmation événementielle. Événementielle, donc, comme événement. En anglais, on dit event-driven programming. Donc, il y a des événements d'impliqués. Donc, l'application est toujours en attente. Vous la lancez, là, puis elle attend. Elle attend que l'usager fasse une action. Clique à quelque part, tape du texte. Il faut qu'il se passe quelque chose. Java, c'est un langage orienté objet.
quand on modélise des choses en Java, c'est avec des objets. Donc, les événements de l'usager vont être modélisés avec des objets. L'usager clique sur un bouton, la machine Java virtuelle crée un objet événement, l'envoie au bouton à l'aide de sa méthode processEvent. Le bouton va déclencher des actions. Mais donc, ce qui est à retenir ici, c'est les actions de l'usager vont être modélisées à l'aide d'objets de la classe événement. On dit que les événements, les éléments graphiques sont la source des événements. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire, c'est si dans mon programme, j'ai placé sur l'interface graphique un objet de la classe JButton, que dans mon programme, j'ai une référence J de type JButton, qui désigne ce bouton-là. Quand il y a eu un clic sur le bouton, un objet événement a été créé. Quand mon code reçoit l'objet événement, je peux demander à cet objet événement-là, quelle est ta source? Get source. Il va me retourner la référence de l'objet duquel il a été généré. Donc, si l'usager avait cliqué sur ce bouton-là, quand je vais recevoir l'événement, je peux demander à l'objet événement quelle est ta source. Il va me retourner une référence. Je peux comparer ça à J. Est-ce que J est égal à la source? Si oui, ben je ferai quelque chose. Je vais savoir, OK, c'était ce bouton-ci qui a été cliqué. Je vais remettre à zéro l'application, je vais repeindre l'écran ou quelque chose comme ça. Si il y avait plusieurs boutons, l'usager avait cliqué sur un bouton autre que celui désigné par J, j'ai reçu la référence de l'objet événement, je demande à l'objet événement quelle est ta source, get source, il me retourne une référence, je compare à J, non, ils ne sont pas égales, je vais faire autre chose comme action. Ça vous va? C'est ce que ça veut dire. Les objets sont la source des événements. Donc là, la grande chose, la chose à comprendre, la chose la plus importante, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on va associer à un bouton du code. C'est la chose importante à faire. C'est dans l'application que j'avais tout à l'heure où je jouais avec le circle de dots, je veux vraiment que quand je clique sur le bouton reset, on redistribue les billes de façon aléatoire. Quand je clique sur le bouton quit, l'application se ferme. Quand je cliquais sur une bille, elle changeait de couleur
puis on demandait à l'application de déplacer la bille bleue. Donc, on veut prendre des méthodes de notre code, puis faire un lien avec les boutons, les fenêtres texte, etc. On veut créer ce lien-là. C'est vraiment la chose à faire ici. On a déjà vu quelque chose dans le cours qui ressemble à ça, où on a voulu créer un lien entre des applications web, des applications téléphone et un serveur d'alerte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le serveur d'alerte, puis tout le monde qui voulait recevoir le message d'alerte devait implémenter l'interface. C'était quoi? C'était Process Alert ou quelque chose. C'était quoi? Alert Listener. Tout objet désirant recevoir des alertes devait implémenter la méthode, l'interface Alert Listener. Le serveur web avait une méthode Register. Son paramètre était de type Alert Listener. Donc, un objet qui réalise l'interface Alert Listener peut s'enregistrer auprès du serveur. Quand le serveur recevait une alerte, il appelait tous les objets qui s'étaient enregistrés puis il leur communiquait le message d'alerte. Quand on a ce genre d'architecture d'application, on appelle ça une fonction de rappel. Process Alert, c'était la fonction de rappel. En fait, j'ai structuré mon application Alert Server pour qu'elle soit la même que les boutons de Java, pour que ce soit, qu'il y ait une connexion à faire, que ce soit le même genre d'architecture d'application. Donc, on veut associer des actions aux éléments graphiques, par exemple aux boutons. Donc, un bouton a à l'intérieur une méthode qui s'appelle ProcessEvent. Okay, donc, l'usager clique. La machine Java virtuelle crée un objet événement. L'envoie au bouton à l'aide de sa méthode ProcessEvent. C'est là où le bouton doit savoir quoi faire avec cet appel de méthode-là. Comment on va faire ça? Des petites idées, des gens qui ont déjà fait ça. Oui. Donc, le bouton lui-même, un objet JButton, possède une méthode pour s'enregistrer. Donc, un objet peut dire au bouton, « Hey, si l'usager clique, je sais quoi faire. Appelle-moi. » Pour que tout ça marche, il faut qu'il y ait un contrat entre moi et le bouton. Le bouton, lui, il faut qu'il soit certain que je possède une méthode qui a un certain nom. Donc, l'objet qui souhaite s'enregistrer auprès du bouton doit posséder une méthode avec un nom bien défini. Ce nom-là, ça va être « action performed ». OK? Donc, si on se remet dans le contexte, là, moi, je veux dire au bouton, quand l'usager va cliquer, appelle-moi. Fait que je m'enregistre auprès du bouton. Le bouton reçoit un appel à sa méthode ProcessEvent. Puis là, il veut appeler ma méthode ActionPerform. Donc, moi, pour que je puisse m'enregistrer auprès du bouton, je dois implémenter l'interface qui s'appelle ActionListener. Moi, je suis un objet qui sait satisfaire des requêtes
Quelle requête? Les requêtes Action Perform. Donc, si moi j'implémente l'interface Action Listener, j'ai un type qui est compatible avec la méthode du bouton qui s'appelle AddListener. Le bouton a une méthode AddListener de type ActionListener. Si je réalise tout objet qui réalise cette interface-là, on peut ajouter sa référence au bouton. Il y a une question derrière. Oui? Bien, ça, ce sera toi qui vas faire ça. C'est nous de l'extérieur. Mais c'est ça, mais comment est-ce que le bouton pourrait avoir accès à une méthode d'un autre objet? C'est le bouton. Regarde bien. On va amener tout ça élément par élément. Donc, il faut qu'il y ait une association entre mon application et JButton. JButton a été écrit par des programmeurs chez Sun Microsystems à l'époque, en Californie, dans le sud. Il fait beau, ils font du surf entre deux lignes de code. Ce code-là a été écrit il y a des années et ne connaît pas notre code à nous. Parce que c'est un peu ça que tu es en train de dire. Comment on va faire que le bouton, ben, il va appeler du code qui est même qui n'était même pas écrit au moment où il a été créé. Là. C'est un peu le défi ici. Il va changer des propriétés de l'application, mais ça n'avait pas été décrit, ces choses-là, au moment que l'application avait été créée. Donc, la façon de faire, c'est comme ça. Il y a une interface qui s'appelle Action Listener. Ça décrit ou ça déclare une méthode qui s'appelle ActionPerform. Un objet JButton possède une méthode AddListener. Son paramètre, c'est ActionListener. On peut ajouter à un bouton via la méthode AddListener la référence d'un objet dont la classe réalise l'interface ActionListener. Donc, si moi je veux être responsable des actions associées à un bouton, ma classe doit réaliser l'interface ActionListener. À ce moment-là, je peux donner ma référence à la méthode AddListener. Et là, qu'est-ce que le bouton sait maintenant? Le bouton sait que tu as une méthode, puis elle s'appelle ActionPerform. C'est ça qui est le contrat qui a été établi. Quand tu réalises l'interface ActionListener, tu es obligé d'implémenter ActionPerform, sinon ça ne compile pas. Maintenant que tu as implémenté cette interface-là, tu peux t'ajouter comme listener, comme gestionnaire au bouton. Quand le bouton est cliqué, il va appeler notre méthode ActionPerform. Ça s'appelle add. Qu'est-ce que ça suggère? Qu'il pourrait avoir plusieurs gestionnaires. Fait que tu pourrais dire, hey, je sais quoi faire quand l'usager clique sur le bouton. Appelle-moi. Un autre gestionnaire dit, « Hey, moi aussi, ajoute-moi. » Il y en a un troisième, il dit, « Hey, moi aussi, je sais quoi faire si l'usager clique sur le bouton. » L'usager clique sur le bouton, il y a un objet Action Event qui est créé, il est envoyé à la méthode Process Event du JButton. Le JButton, il regarde le premier objet, il dit, « Action Perform. » Il regarde le deuxième, « Action Perform. » Il regarde le troisième, « Action Perform. » Il parcourt la liste des gestionnaires, puis appellent leur méthode ActionPerform. OK, j'ai eu une idée du siècle. Est-ce que vous connaissez Kickstarter? On peut faire, on appelle ça crowdsourcing, là, on peut aller chercher des sous. J'ai une super idée, je suis certain, on va faire de l'argent avec ça.
C'est une application. On entre un nombre. On clique sur le bouton Square. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe? Ça calcule le carré. Je suis sûr que ça va être populaire comme application. On va se faire de l'argent avec ça. OK, donc c'est une application super simple. On va mettre ça de l'avant. Premièrement, il faut se préoccuper de l'aspect visuel. Donc, mon application Square, c'est une sous-classe de JFrame. Donc, elle a l'air de ça. J'aurai besoin plus tard de lire la valeur entrée par l'usager. Je me crée un objet JTextField. Puis comme j'aurai besoin d'interagir avec, je vais lire le texte, changer le texte, lire le texte, changer le texte. Je vais me garder une référence vers cet objet-là. C'est une variable d'instance. Input, donc l'entrée de l'usager. Dans mon constructeur, je vais lui donner l'aspect visuel qu'elle a. Donc, premièrement, je voulais que le gestionnaire soit grid layout, donc une grille 1 par 2, une cellule par deux cellules. J'ai en premier ajouté input. Je me suis créé un bouton. Je n'ai pas fait une variable d'instance pour ce bouton-là parce que je ne vais plus interagir avec le bouton dans mon application. Je n'avais donc pas besoin de mémoriser une référence vers JButton. Mais je l'ai ajouté à l'écran. Donc, ça a poussé l'autre. Fait que j'ai maintenant le bouton à gauche puis le input à droite. Je fais un appel pack. J'ai dit, assure-toi que l'application a la taille parfaite. Fait que là, pack a demandé à chaque élément graphique, comment gros t'aimerais être? Ben, j'aimerais ça être gros de même. J'aimerais ça être gros de même. Puis là, il a redessiné la vue graphique en conséquence. Puis après ça, j'ai affiché tout ça. Ça vous va? OK. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas programmé. Les doigts me démangent un peu. Alors, on va aller ici. Ah. Allez, allez. Parlez-vous. Ah, ils ne veulent pas se parler. OK. Bon. On va aller chercher celle-ci. Okay, vous voyez tout le texte. OK, donc, Square App, c'est un JFrame spécialisé. J'ai une variable d'instance input qui va désigner un objet TextField, JTextField. J'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai créé le rendu graphique. J'ai ajouté une ligne ici qui est Default Clause Operation, JFrame, Exit on Close, de sorte que quand on clique sur la petite croix, l'application quitte. J'ai ajouté tous les machins. J'ai une méthode ici, Square, qu'on va discuter dans une seconde. Puis, dans ma méthode principale, je crée l'objet en question. Donc là, si on va dans un terminal, on va sur Desktop. Est-ce que c'est assez gros? On peut mettre ça un petit peu plus gros. Java C, Square App. Ça compile. Bravo. On exécute. Square App. Ah, c'est vraiment impressionné, là. Franchement, là, hein, c'est... Mais là, mon application, elle ne sait pas quoi faire. Je clique sur le bouton, il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas connecté les choses.
Je me définis ici une petite méthode que j'appelle Square. Square, je fais input getText. Input, c'est mon jtextField. C'est l'endroit où l'usager tape des choses. GetText, je vais chercher la chaîne que l'usager a rentrée. J'appelle integer parse int, je transforme la chaîne en entier. Je multiplie cet entier-là par lui-même, j'obtiens le carré. J'ai besoin d'une chaîne, integer toString, je crée la chaîne. Je remets ça dans l'objet textField. Input, setText, à cette chose. Fait que ça, vous le voyez, Square, ça fait la job. Ça va chercher la valeur de l'usager. C'est une chaîne, j'en fais un entier, je le mets au carré, j'en refais une chaîne, puis je pousse ça dans l'objet désigné par input. Qu'est-ce qui manque? La colle entre les deux. Il y a une méthode qui s'appelle add, je vous l'ai montré tout à l'heure. Juste m'assurer que je ne tape pas des conneries trop. Donc, pour mon bouton, button, possède une méthode add action listener, puis je vais lui dire, c'est moi, je sais quoi faire. This, cet objet-ci, l'objet de la classe SquareFrame, je lui dis, je sais quoi faire si l'usager clique sur le bouton. Est-ce que ça compile? Pourquoi ça ne compile pas? Oui. Exactement. Le paramètre ici, c'est la référence d'un objet qui implémente l'interface ActionListener. On essaie de compiler ça. Il me dit, c'est pas un ActionListener que tu me passes. OK. Je dis maintenant, implements ActionListener. Est-ce que ça compile? Pourquoi? Est-ce que ça compile? Ouais? Il n'y a pas la méthode. Il nous manque une méthode. Voyons. La méthode, c'est action perform. Je vais juste vous montrer ça. Clear. On va recompiler. Implement action listener. Incompatible. Public. Action public. Void. Action performed, action event, donc, ce contrat-là ici, il dit, tu dois posséder une méthode qui s'appelle action perform. Quand on va m'appeler, je vais faire tout simplement un appel à Square. Puis là, on espère que ça va compiler. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah, j'ai pas. Il me manque un import. Il me manque un import. Import Java AWT Abstract Window Toolkit Event Action Perform habite là. Ça compile. Est-ce que ça marche? Oh, mon Dieu!
Je vous le dis, c'est la gloire. On va vendre ça. Ça va se vendre, là. Ça va faire un succès Facebook incroyable. En fait, je n'avais peut-être pas besoin d'une méthode Square. J'aurais pu mettre ça ici. C'est plus compact. Est-ce que ça compile? Ça compile. Bien, si ça compile, on pourrait l'exécuter. Et ça fait la même chose. Donc, je peux rentrer 3 au carré et ça marche. OK, donc, juste peut-être pour résumer, la méthode Action Listener du bouton, on peut lui passer la référence d'un objet qui implémente l'interface Action Listener. La seule façon qu'on peut compiler un objet qui implémente Action Listener, c'est si on fournit une méthode Action Perform. Cette méthode-là a un paramètre E de type événement. On n'a rien fait ici, mais on aurait pu faire System Out Print Line E.E tout simplement. Compile. Exécute. À chaque fois maintenant que on a appelé la méthode ActionPerform, on a imprimé l'événement. L'événement comprenait beaucoup de choses, entre autres sur l'endroit, sur l'écran, sa source, etc., etc. OK, donc c'est le monde palpitant des interfaces graphiques, ça a l'air de ça. Vous allez implémenter un jeu qui s'appelle Floodit. Pour éviter qu'on copie sur Internet, on va faire quelque chose de mieux que ce qui existe sur Internet. Puis peut-être celle-là, on pourra la publier sur Google Play ou quelque chose comme ça. Ça va.